Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour une nouvelle peinture sur toile. Voilà, j'avais très 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 envie, ça me démangeait depuis un petit moment, donc je plonge la tête la première dedans et ça m'a fait un bien fou. Donc je vais commencer, étant donné que c'est pas des toiles que j'achète qui coûtent vraiment très très cher, je ne sais pas si elles ont un apprêt, si elles sont déjà pourvues de gesso, donc dans le doute, eh bien je vais quand même refaire un petit passage justement avec le gesso au pinceau, comme ça, hein, tout simplement. Et donc j'attends que ce soit bien sec. Quand on fait des couches assez fines, de toute façon, il n'y en a pas pour 6 mois, hein, pour faire sécher. Puis on a toujours le heat gun qui est pas très très loin si vraiment on est très pressé. Donc j'ai acheté ces peintures il y a déjà un petit moment. Donc c'est des peintures nacrées. Et je les trouve très 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 belles. Ça fait très longtemps que j'avais envie de m'en servir. Donc je les ai utilisées, enfin, j'en ai utilisé une des deux en spray. Et ça marche très très bien. Ça fait vraiment un rendu très très nacré, très très irisé. J'aime beaucoup. Et donc là, je me suis dit, il faut que je travaille. pardon. Que je travaille une de mes toiles avec l'éponge comme j'ai l'habitude de le faire. J'aime beaucoup, beaucoup peindre, faire mes fonds comme ça avec l'éponge. On a un rendu vraiment, vraiment sensationnel. Donc là, eh bien, tout simplement, avec plus ou moins de peinture, je fais vraiment tous les pourtours de ma toile et j'oublie pas, effectivement, comme je viens de vous le montrer, j'oublie pas les tranches non plus de ma toile parce que ça me déplaît un petit peu quand il y a les pourtours blancs. J'aime un petit peu moins. Bon, après ça, les goûts et les couleurs. Décidément, je suis en train de m'étouffer. Alors donc là, vous me voyez continuer de travailler mon fond. J'ai pris une deuxième couleur, donc le rose nacré. Et donc, je travaille la transition entre mon rose et mon violet. Et ce qui est bien, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais du coup, peut-être parce que j'ai mis un peu d'eau. Ceci explique cela, je pense. En fait, j'ai ranimé un petit peu le blanc. Qui était sous la couleur, le gesso. Et donc, bah, au final, je trouve ça super beau, en fait, hein. Ça me gêne pas du tout. Donc là, vous reconnaissez sûrement, si vous suivez mes vidéos, le pochoir que j'ai découpé à la silhouette dans ma vidéo, la vidéo du tutoriel, pardon, pour apprendre à faire soi-même ses pochoirs et ses masques. Donc, ben, tant qu'à faire, je l'avais sous la main, donc je me suis dit que j'allais me servir de celui-ci. Et même s'il est très fin, eh bien, j'ai pas vraiment de peinture qui est passée sous le pochoir, donc ça va très bien. Et en effet, ça s'explique par le fait que ma peinture, je l'avais pas diluée du tout. Donc elle était vraiment brute, brute de pomme, hein, comme quand je la fais sortir de son tube. Donc j'avais pas de peinture effectivement qui est passée dessous. Et auquel cas, si ça avait été le cas, ouais, c'est pas vraiment très très gênant puisque dans le mix média, on n'a pas forcément. On n'est pas censé forcément avoir des résultats très 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 précis, très nets. Et donc là, moi, dans ces cas de figure-là, c'est vrai que si j'ai pas quelque chose de très net, ça me dérange pas plus que ça. Donc là, je vais utiliser mon spritzer. Donc c'est une espèce de poire, en fait, sur laquelle on fixe un feutre. Et donc, avec des mouvements de pchit, en fait, hein, tout simplement, on va pchiter l'encre et on aura donc un résultat sympa. Donc là, c'est un autre pochoir que j'ai découpé également avec ma silhouette. Il est magnifique ce pochoir. Bon là, on le verra pas jusqu'à la fin en fait le résultat parce que au final j'ai pas aimé la couleur que j'ai utilisée, ce gris. Donc un Stabilo Pen 68. Je pensais que gris ça irait bien et puis plus j'avance, plus j'applique et moins j'aime. Donc je vais recouvrir tout ça mais c'est pas grave. Voilà, on a le droit de se tromper en mix et de médias, il y a pas de souci. Donc là je vais prendre ma modeling paste et un autre pochoir. Toujours que j'ai découpé avec ma silhouette, donc c'est un motif fleur cette fois-ci. Et donc je vais en mettre sur le bas à droite et en haut à gauche de ma toile. Voilà. Hop, et cette fois-ci, j'ai complètement zappé de mettre de la fleur de maïs dans ma modeling paste, donc elle était un petit peu plus fluide que d'habitude, mais c'est pas gênant. Ça a quand même séché assez rapidement aussi. Et donc là, avec un des deux sprays d'Illusions que je possède, je vais vaporiser sur le coin où je viens de mettre de la modeling paste. Et pour diluer un petit peu plus la couleur et lui permettre d'avoir du mouvement et d'entrer justement, enfin de suivre les contours du pochoir que j'ai fait avec la modeling paste, eh bien je rajoute de la brume d'eau, donc tout simplement un vaporisateur d'eau, hein, tout bête.
que j'ai depuis déjà un moment, donc je veux plus l'utiliser pour ma peau. Et je le recyclais dans ma scrap room et ça marche du tonnerre. Donc j'ai fait cet effet en bas à droite, donc maintenant j'ai retourné ma toile, vous voyez les papillons sont à l'envers, et donc je fais exactement le même processus pour le haut à gauche, et ce qui est rigolo c'est qu'on a beau faire exactement la même chose avec le même matériel, et pourtant le résultat n'est pas du tout pareil. Donc là j'ai bien laissé sécher un bon moment, donc on voit on a perdu un tout petit peu de la couleur violette, un tout petit peu, bon ça tire un petit peu plus sur le bleu parce que c'est un hybride en fait de couleurs, j'ai remarqué cette encre d'Illusion et j'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vais mettre un petit peu plus de relief autour de mes papillons. Alors, donc, c'est équipé d'un crayon aquarellable que je fais les contours, voilà, avec une couleur violette pour rester dans le thème parce que c'était une couleur que je voulais dominante sur ma toile et c'est réussi. Voilà. Donc là, je tapote hein, tout simplement. Et donc voici ce que ça donne. Et je trouvais qu'on ne voyait pas assez. Donc je vais utiliser une autre couleur de crayon aquarellable. J'ai utilisé quelque chose de très 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 foncé. Je vais prendre mon noir. Voilà. Et je vais faire appliquer exactement le même processus que précédemment. Je vais passer autour et je reviens dessus avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et je travaille mon contour. Alors oui, je me suis équipée de gants en plastique pour deux raisons. Donc la première, c'est que ça m'évite de courir toutes les 40 secondes à aller me laver les mains. Et la deuxième, eh bien effectivement, c'est que vu que, comme vous le savez déjà, j'ai les mains très très abîmées, bah, ça m'évite justement de les abîmer un petit peu plus. Donc au final, c'est pas plus mal. C'est un petit peu difficile de travailler avec des gants au début, mais on s'y fait très bien. Tellement bien que à la fin, je les enlèverai parce que voilà, c'est tout à fait moi. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à les garder un petit moment et je suis super contente. Voilà, ça m'aura évité quelques lavages intempestifs. Donc voici un premier résultat avec certains papillons que j'aurais travaillé plus que d'autres. Voilà. Et donc on passe en lumière de nuit. Hein, je suis vraiment désolée. Si un jour j'arrivais à faire mon travail d'une traite et que je garde la lumière du jour, ça m'étonnerait que ça arrive un jour, mais on ne sait jamais. Donc là, bien comme d'habitude, je vais faire des petits splashs avec de l'encre de Chine. Et pour continuer, donc, je voulais une toile en fait sur le thème des papillons. Je voulais mettre beaucoup, beaucoup de papillons, un petit peu de toutes sortes. Donc là, c'est des papillons, des tampons papillons de la marque Kaisercraft que vous m'avez sûrement déjà vu utiliser parce que c'est une planche que j'affectionne énormément. Et donc là, au début, j'en avais juste mis 3 en fait. Et vous verrez par la suite que j'en rajouterai. Voilà. Donc là, je vais faire des petites gouttelettes en blanc cette fois-ci pour équilibrer un tout petit peu. Voilà, puis parce que j'avais très envie, comme d'habitude, de faire mes petites gouttes, donc j'ai pas résisté à l'envie. Et donc j'accélère le processus de séchage avec mon heat gun. Voilà, donc vous voyez dans le décor, tout en dessous la toile, là je suis en train de vous montrer de près, mais vous allez voir, il y a des fleurs, il y a des choses comme ça, et au final, j'ai tellement aimé le fond que j'ai fait que les fleurs, je les mettrai pas. Ouais, on a le droit de changer d'avis, c'est comme ça. Donc, pour accentuer encore un petit peu le dégradé de couleur, et eh bien cette fois-ci je sors la grosse artillerie, je vais sortir ma Primacolor de PBO, ma couleur noire. Et donc je vais en mettre dans ma super palette. Et donc je vais venir accentuer donc eh bien autour de la couleur violette que j'ai déjà mis. Voilà, tout simplement. Donc j'applique ma couleur, toujours à l'éponge bien sûr. Et je vais appliquer le même système que j'ai déjà utilisé pour les encres d'Illusions. Donc, à savoir que je reprends ma brume d'eau et donc que je vais vaporiser et laisser la peinture en fait se déplacer un petit peu à sa guise. Bon, je vais comme d'habitude orienter ma toile pour lui donner un certain sens pour qu'elle aille un petit peu où moi j'ai quand même envie qu'elle aille. Et donc j'avais mis un petit peu trop d'eau, donc je recommence, je remets encore un peu de peinture, mais ça après. Chacun fait comme il veut. Il y en a à qui ça aurait très bien convenu, hein, le fait d'avoir un résultat diffus. Moi, je voulais quelque chose un tout petit peu plus foncé et d'un petit peu plus présent et soutenu. Donc j'ai continué de travailler. Je serais revenue même plusieurs fois d'ailleurs hors caméra sur la couleur. Il y a des moments où j'en ai enlevé, il y a des moments où j'en ai remis. Et donc là, j'applique le même principe sur le haut de ma toile. Voilà, je fais des coulures, je sèche et si je trouve que j'en ai pas assez, je reviens, etc. Ensuite, donc, je prends ma Distress Black Soot, donc qui est de la couleur noire des Distress, et donc avec un petit bout de mousse, eh bien, je vais continuer d'accentuer tout le reste du contour de ma toile, mais je ne l'ai pas fait à la peinture parce que je voulais un résultat un petit peu plus diffus cette fois-ci. Voilà.
Donc là, je vais utiliser cette planche de tampon. Et donc, comme vous me voyez faire, donc oui, j'ai une veste. Ne prenez pas peur, on a eu un souci de chauffage et du coup, il faisait je ne sais pas combien dans ma scrap room, donc j'ai mis ma veste. C'est la honte, mais bon, c'était ça, ou sinon, je pouvais pas terminer ce que j'étais en train de faire. Et comme j'étais inspirée, j'avais vraiment envie de finir tout ça. Donc, oui, alors vous m'avez vu et vous me voyez d'ailleurs actuellement à l'écran tamponner mes papillons en tenant l'arrière de ma toile, effectivement, parce que je voudrais pas passer la main à travers maintenant qu'elle est bientôt finie. Ça m'embêterait quand même. Voilà, donc je soutiens la toile et j'appuie mon tampon sur mes doigts, comme ça j'ai un rendu assez, on va dire, assez visible, hein. Il y a des moments le tampon n'a pas bien fonctionné, mais c'est très bien. Ça nous donne encore un petit rendu autre et c'est vachement sympa. Voilà, donc j'ai hésité à rajouter encore des choses ou sur les conseils de mon copain. Quand même, ouais, faut le dire. Il m'a dit que ça allait bien comme ça et que je me suis dit que c'était pas plus mal de temps à autre de faire des choses un petit peu moins sophistiquées. Je voulais rajouter des fleurs, je voulais. Puis j'avais peur de casser un peu l'ambiance de la toile. Donc je m'en suis tenue à ça. Donc j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye!